Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Alors un haul qui sera totalement dédié à Primark. Voilà, comme je vous ai mis sur Facebook, j'ai fait des emplettes à Primark en début de semaine. Et vous avez été quelques-unes à me demander de faire un petit haul. Et puis moi ça me permet pour une fois de vous montrer ce que j'achète là-bas. Parce que quand j'y vais, c'est vrai que je ne pense pas vous faire des hauls, ni quand je vais à tape à l'œil, etc. Pour mes enfants, parce que ben, je dépense beaucoup pour mes gosses. Voilà, mais là, il y a un peu pour Nayla surtout, parce que ben, elle grandit et qu'il faut racheter des vêtements pour cet été, enfin printemps-été. Et Noam, je vais vous montrer ce que j'avais acheté la dernière fois, plus un t-shirt cette fois-ci, parce que en gros, cette fois-ci, je vais acheter qu'un t-shirt. Et il y a des petites choses aussi pour moi pour une fois, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on commence par Noam et du coup j'ai acheté 3 t-shirts, donc tout en 12-18 mois parce que c'est du 86 cm et Noam est pas très grand en taille. Donc je lui ai pris celui-ci, voilà, ils sont à 1,75€ tous les t-shirts. Donc là il y a écrit « I still with my parents », voilà, je veux rester toujours avec mes parents. Celui-ci que je trouve un petit peu plus basique, mais avec, en fait c'est des outils de bricolage dessus. Un autre où c'est l'alphabet. Voilà. Alors Noam, vous le verrez très rarement avec des trucs sans manches. Moi pour l'été c'est des manches courtes, voilà, par rapport au soleil. Pour les gosses c'est toujours comme ça avec moi. Voilà, Nayla ça a été très rare où elle avait des petites robes bretelles, mais bon elle en avait quand même. Mais voilà, nous c'est plutôt des manches courtes qu'on préfère, sauf quand il met des barboteuses, voilà. Sauf qu'en gros les barboteuses que j'ai pris c'est quand même manches courtes. Voilà, mais voilà, ce petit t-shirt, donc j'en ai pris 3, donc ceux-là c'est ceux des deux de la dernière fois. Et celui I still with my parents, c'est celui de cette semaine. Et la dernière fois aussi je lui avais pris un petit short. Voilà, comme ceci, toujours en 12-18 mois parce que les bas il met vraiment du 12 mois. Je vais racheter des 18 mois pensant que c'était trop court les 12. Et finalement, bah non, c'est pas du tout trop court parce que le 18 c'est 3 fois trop grand. Et là il était à 6€, il y avait plein de trucs de shorts comme ça. Je vais en acheter qu'un parce que j'en ai encore, on m'en a donné pas mal pour lui et qui sont plus Bermuda et ce que je préfère par rapport encore au soleil et par rapport au fait que ben il va tomber, il va bouger, et voilà, et c'est plus pratique qu'il ait pas d'écorchure assez au niveau des genoux, etc. Donc je préfère les petits shorts ou voilà les Bermuda. Donc je vais prendre celui-ci pour qu'il soit à l'aise. Et il valait 6€. Donc voilà tout pour Noam, hein, j'ai pas fait des grosses folies. Pour Nayla, j'ai pris alors des pyjamas. Donc c'est des pyjamas 3,50€. Elle, je lui ai pris en 7-8 ans. Et c'était des pyjamas en short et t-shirt, manches courtes. Voilà, donc là j'ai pris Los Angeles, California. Et l'autre, je lui ai pris Unicorn Club. Donc voilà, c'est elle qui les a choisis. Donc il y a en bleu et en rose. Et ils sont vraiment trop mignons. Et oui, c'est toi qui as choisi. Ensuite, je lui ai pris, et 3,50€, je crois que je vous ai dit l'unité. Ensuite, je lui ai pris des petites claquettes en taille 29 alors qu'elle fait du 27. Mais franchement, j'ai l'impression qu'elle taille petit. Et je pense que pour les claquettes, vous allez prendre plus grand. Donc là, c'est des petites licornes toutes mignonnes. Et on a payé ça que 2,50€. Voilà, j'ai failli prendre deux paires, mais il y avait mon mari. Et quand il y a mon mari, je me restreins un petit peu parce que sinon j'achèterai tout le magasin. Ensuite j'ai pris une petite casquette pour Nayla, donc il n'y a déjà plus l'étiquette parce qu'elle a voulu la mettre direct dès qu'on l'a acheté, même s'il faisait pas beau. Et c'est un petit, comment on appelle ça nous? Un petit flamant rose. Ah oui, un petit flamant rose. Donc ça c'est tout basique, 1,50€. Franchement j'avais failli en prendre deux mais il n'y avait que cette couleur. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'il a? Il veut descendre, laisse-le descendre. Donc là j'ai pris 1,50€ voilà, pour lui faire plaisir. Allez. Ensuite j'ai pris 3 crop leggings. Donc c'est les leggings, vous savez, qui sont courts, qui vont, je crois, il me semble, en dessous du genou ou juste au-dessus. À voir, je me rappelle plus. Et ils étaient à 3€ ou 2,50€ comme celui-ci. Donc j'ai pris un rose tout basique. Donc là j'ai pris du C7 ans parce que ça me paraissait long. Et puis vu que c'est élastique, c'est plus simple.
Et j'ai pris un où c'est des arcs-en-ciel. Et un à pois parce que je trouve que ça lui va très bien. Et en plus, il était bleu foncé. Donc voilà. Moi, j'adore ça de couleur. Donc on a pris ça. Et concernant les t-shirts, ils étaient tous à 2€. Donc on a pris un dinosaure avec Paradise. Hop. 7-8 ans tous les hauts. J'ai pris une glace check-up. Check it up ou check it up, voilà. Ouais, check up. À secouer. Et un autre comme ceci avec une dame, enfin une petite. Avec des fleurs. Une petite fille avec des fleurs, voilà. Pour des ses cheveux. Voilà. Elle a des fleurs sur ses cheveux. Ben oui. Et là, on a pris les petits chats. Parce qu'ils sont trop mignons, trop mignons, trop mignons. Même s'il est blanc le t-shirt et que j'aime pas trop acheter du blanc, bah voilà. Au moins. Et qu'est-ce que tu fais à tout mettre par terre? Il a de l'arnoun. Ah non, non. Je regarde. D'accord. Donc voilà tout pour Neila, il me semble. J'ai acheté. C'est tout, hein, Neila, pour toi que j'ai acheté. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, mais j'ai acheté ça pour Neila aussi. Ouais. Donc on lui a pris un petit pantalon comme ceci. Pour l'été. Pour l'été. Et c'était à combien? À 6€. À 5€. Voilà. Non, 6 euros. 5 euros. Ensuite, j'ai pris des petits pantalons pour moi. Si vous voyez Noam, il est en dessous en train d'essayer de montrer les habits lui aussi, c'est trop choupinou. Donc après, j'ai pris des trucs tout basiques comme ceci, style jogger, des pantalons fluides pour printemps-été. Moi, j'adore être là-dedans, je suis trop à l'aise. Qui sont resserrés en bas, je sais pas si vous verrez bien. Et c'est un noir avec des palmiers dessus, donc 6 euros, je me suis pas privée et j'en ai pris un autre. Qui est relativement un peu plus moche, mais voilà, où on est bien à l'aise. Et du coup, pour aller avec ça, j'ai pris des t-shirts, vous savez, tout basiques comme ça. Voilà, moi toujours colvé pour allaiter Noam. Et 3,50€, voilà. J'ai pris taille 40 pour être à l'aise, sachant qu'en haut, ouais, je dois faire 38-40. Fais gaffe, il va se faire mal, Leïla, descends-le. C'est moi qui lui ai amené le casque. Et j'ai pris un haut noir pour aller avec le bas noir, voilà, voilà, parce que le blanc, j'aime pas. Attention, il peut se faire mal. Et celui-là, pareil, 3,50€. Non, il va se faire mal, attention. Aide-moi. Mais non, tu vas y arriver. Voilà. Help me, s'il vous plaît. Allez, mets ta casquette. Ensuite, j'ai pris un pyjama. Donc j'ai comme pris... un short. Ouais, c'est ça. Un short comme ceci. J'ai l'impression que je l'ai pris 10 fois trop grand, mais tant pis, je serai à l'aise. C'est le M. On peut resserrer. Donc j'ai pris un short avec les détails comme dentelle un peu, voilà. Et comme haut de pyjama, j'ai pris celui-là, tout basique, qui s'ouvre par devant comme ça. Enfin, qui s'ouvre par devant. Qui est colvé et voilà, 3€, taille L pour que je sois à l'aise. J'aime pas être serrée dans mes vêtements. Voilà, sur tous les hauts. Et pour aller au parc avec mes enfants. Neila, donne-lui. Et pour aller au parc avec mes enfants, j'ai repris des chaussures comme ceci, des petites tennis à 4€. Voilà, je me ruine pas vu ce que j'en fais au parc. Toutes les mamans s'en reconnaissent trop. Voilà, et pour finir, je suis passée chez Emma vite fait pour acheter des petites décorations. Donc un petit ballon en forme de 6 et des petites guirlandes en fanion. Donc ça, c'est pour l'anniversaire de ma fille, mais ça sera que pour fin juillet. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à me mettre vos petits commentaires et à me dire ce qui vous plaît dans mes achats ou ce qui vous ne vous plaît pas. Bien évidemment, ça peut ne pas plaire à tout le monde, voilà. Et si vous aussi vous avez un Primark pas très loin et si vous faites des folies de temps en temps, voilà, n'hésitez pas à me le dire que je me sente pas si seule que ça. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye.